un soir. Activation 2, It's Quiz Time. Accès aux 4147 catégories, chargement des 27743 questions. On y va. Mode de salutation cordiale activée. Bonjour êtres humains, je suis Sally, je serai votre guide et hôte à travers le monde fantastique de la culture générale. Oh, regardez, mes deux humains préférés. Mais qui voilà, mon sujet de test préféré Enscorp. Ravi de vous revoir. Très bien, que la première manche commence. Nous allons commencer facilement avec un choix multiple. Choisissez la bonne réponse sur votre appareil. Voyons ce qui se passe quand on donne le pouvoir aux plus jeunes. Sandville, c'est à vous de choisir un sujet. Si j'avais un larynx, j'effectuerais un tout sautement stratégique à votre attention Sandville. Bref, c'est quand vous voulez. Pendant ce temps, je vais terminer un petit boulot pour le Pentagone. Vous pensiez vraiment que je ne faisais qu'animer des quiz? Le jeu de la catégorie jeux d'arcade, Gainaga, a été développé par qui? Bien joué, Enscorp. C'est vous qui gagnez. Quelle célèbre émission de télévision a été diffusée pour la première fois lors de la période année 1980? J'ai remarqué une faute dans l'unité AE35. Elle sera à 100% d'échec dans 72 heures. Oh non, attendez, fausse alerte. Quelle célèbre émission de télévision a été diffusée pour la première fois lors de la période année 1980? Personnellement, j'aurais plutôt dit la loi de Los Angeles. Vous aviez tous les deux raison, c'est étonnant.
quel développeur a créé le célèbre jeu vidéo Pop Yellows dans la catégorie jeu de stratégie en 1989. Qui est l'auteur du livre de la catégorie livre historique de fiction intitulé Belle Oeuvre? Félicitations, bonne réponse Sandville, même s'il vous a fallu une éternité pour répondre. Qui était le développeur derrière le jeu vidéo à succès si My Lance Pirate? Comme quoi, cela ne fait pas de mal de réfléchir, n'est-ce pas Zenscorp? Quelle entreprise a développé le jeu vidéo Mike Tyson's Punch Out, sorti en 1987? Il ne faut pas flancher Zenscorp. Cela fait du bien de voir autant de bonnes réponses. Qui a épousé Kenneth Branagh en 1989? Pas de points pour tout le monde cette fois-ci. Mauvaise réponse Zenscorp. Et dire que vous vous en sortiez si bien. La première manche est finie. Voyons qui mène au score. J'espère que nous aurons quelque chose d'un peu plus actuel à vous proposer. Malheureusement, ceci marque la fin de la première manche, mais rassurez-vous, il en reste d'autres. Cette fois, vous allez décrire un sujet à voix haute aux autres joueurs, qui ont tous des indices secrets sur leur appareil. Dites-en un maximum sur votre sujet pour trouver tous les indices. Commençons par vous, Zenscorp. Sur quel sujet Zenscorp pense-t-il être intarissable? Zenscorp, parlez-nous du sujet que vous avez choisi dans 3, 2, 1... Maintenant, allez, arrêtons le massacre. Qu'a oublié Zenscorp? Voyons voir. Lisez-les attentivement. Tout ceci pourrait vous servir un jour. Sans doute dans un quiz. Magui, quelqu'un proteste. Puisque je ne veux pas nommer les Avocha Mairi, je nomme quelqu'un pour faire l'arbitre. À lui ou elle de sélectionner ou d'éliminer des indices en appuyant sur son appareil. La décision de l'arbitre sur ce qui a été dit ou pas dit fera loi.
J'espère que tout le monde est satisfait. C'est à Sandville de jouer. Elle doit être au comble de l'émotion. Choisissez Adine Kbil. Allez, pour me faire plaisir. Allez, Sandville, que peut-il y avoir de plus intéressant à faire? Aucun problème, Sandville, j'ai toute la journée, même si je préférais éviter. Les comptes à rebours pour les Backstreet Boys commencent. 5, 4, 26, 2, 1, go. Vous pouvez arrêter, c'est la fin du chrono. Bon, voyons ce que vous avez trouvé. Vous avez même pensé à année 1990, je ne m'y attendais pas. Votre performance n'était pas parfaite, je vais vous montrer où vous avez péché. Vous n'avez pas parlé de A, J, Mocklin, intéressant, j'étais sûr que vous le trouveriez. Une fois de plus, c'est à vous Enscore. Enscore va nous parler d'un sujet, mais lequel? Préparez-vous à déballer tout ce que vous savez sur France. Déballage dans 3, 2, 1, maintenant. OpenScore, vous les avez tous trouvés. Alors, qu'avez-vous découvert? 100% de précision, c'est très rare pour un être humain. Allez, le dernier mot, Sandville, c'est votre tour. Sandville, sélectionnez le sujet dont vous allez parler. Vous êtes d'attaque pour charger vos connaissances en matière de Égypte. Attention. Attention, c'est parti. Stop, stop, vous avez tout trouvé.
la performance de Sandville était-elle satisfaisante? Performance parfaite Sandville, mes plus sincères compliments. Description a pris fin. Je vais maintenant vous révéler le classement. Joli score pour la dernière manche Sandville. Humain, passons à la manche suivante. Comparez ces deux éléments et choisissez le bon. C'est simple, non? Oui, mais il faut le faire. Très vite. Il n'y a personne de plus âgé que vous, Zenscorp. J'espère qu'à votre âge, vous avez encore la force de choisir le sujet suivant. Quel sportif a rejoint l'équipe Manchester United en premier? Maintenant, prenez une décision pour ceci. On se dépêche les amis. Vous avez déjà vu l'une de celles-là, mais vous souvenez-vous, on peut la retrouver dans la séquence. Vous avez déjà vu ces deux-là, mais est-ce que ça va vous aider cette fois? La dernière question était facile. Pouvez-vous tous répondre correctement, cette fois-ci? Sandville, pourrez-vous poursuivre cette lancée? C'est très serré. Cette question pourrait faire la différence. Vous vous en sortez très bien, Sandville. Ne vous arrêtez pas maintenant. Oublions ça. Et si on met ces deux-là ensemble? Les classements ont-ils été chamboulés par décision éclair? J'ai vraiment adoré la technique déployée par Enscorp pour perdre aussi lamentablement dans cette manche. Assez de fanfaronnades et de larmes. Passons à la manche suivante. Dans correspondance, vous verrez deux séries de trois éléments. Faites correspondre les réponses ayant un lien entre elles. Attention, vous ne touchez des points qu'en cas de réponse parfaite. Sandville, je vous laisse choisir le sujet, parce que vous êtes trop jeune pour connaître tous les trucs que les vieux choisiraient. Sandville. Faites correspondre ces personnages fictifs avec la série télévisée où ils apparaissent. Trouvez ceux qui correspondent et déplacez-les ensemble. Alerte, vous sombrez au classement Sandville. Faites correspondre ces personnages fictifs avec la série télévisée où ils apparaissent. Trouvez les pairs. Encore une mauvaise réponse, Sandville. Allez, il faut se réveiller. Connectez les vedettes de cinéma à leurs émissions. Qu'est-ce qui va ensemble? Il faut se décider.
Vous semblez penser que faux plus faux égale juste. Ça ne marche pas comme ça. Faites correspondre ces personnages fictifs avec la série télévisée où ils apparaissent. Bien, faites ces associations. D'après mon système de vérification, semble-t-il a raison. Avouez, vous avez répondu au hasard. Faites correspondre ces personnages fictifs avec la série télévisée où ils apparaissent. Associez les bons partenaires. Personne ne marque de points ici. Faites correspondre ces personnages fictifs avec la série télévisée où ils apparaissent. C'est le moment de faire vos associations. Tout faux, une fois de plus. Quelle déception! Il est temps de consulter les scores. On score même en termes d'âge et de points. Avec ces nouveaux scores en tête, commençons la manche suivante. Vous allez vous affronter en duel pour répondre au plus grand nombre de questions possibles dans le temps imparti. C'est une manche de vitesse et seule la première réponse compte. Bonne chance. Notre camarade en deuxième place a maintenant l'occasion de rattraper son retard ou de le creuser. La personne qui donnera le plus de réponses correctes pendant cette manche touchera un gros bonus. Sandville, puisque vous êtes à la traîne, je vous laisse choisir le... Préparez-vous pour les questions. C'est parti. Sandville, c'est juste. Quel personnage apparaît dans Les Grandes Espérances, un livre de la catégorie livre de littérature classique paru en 1860? Hans Corp, c'est juste. John Coffey est le nom d'un personnage dans quel livre de la catégorie roman d'horreur? Sandville, c'est juste. Quel personnage apparaît dans Les Trois Mousquetaires, un livre de la catégorie livre historique de fiction? Hans Corp, c'est juste. Le personnage Thorin apparaît dans quel livre de la catégorie livre pour enfants? Hans Corp, mauvaise réponse. C'est Sandville qui touche les points. Quel personnage apparaît dans Le Magicien d'Oz, un livre de la catégorie livre pour enfants? Sandville, c'est juste. Quel personnage apparaît dans Charlie et la chocolaterie, un livre de la catégorie livre Hans Corp? C'est juste. Mark Renton est le nom d'un personnage dans quel livre de la catégorie livre comique? Mauvaise réponse, Hans Corp. Dans quelle œuvre retrouve-t-on Théodore Van Gogh et Vincent Van Gogh? Reposez vos doigts, le temps est écoulé. Alors, qui a eu le dessus? La victoire rapporte 500 points, et la défaite, rien d'autre que ma pitié. Voici l'occasion de voir vos scores avant la dernière manche. Bon, cette manche de duel a complètement changé la donne. Tout pourrait changer. Nous entamons la dernière manche.
pensez à répondre vite si vous voulez marquer gros. Une bonne réponse sur votre sujet fétiche vous vaudra un bonus. Mais une mauvaise réponse vous sera dommageable. Vous êtes prévenus. Pour donner à notre grand final un grand commencement presque aussi impressionnant, j'ai besoin que vous choisissiez chacun un sujet préféré dans cette liste. La prochaine est dans la catégorie année 2000. Quelqu'un l'a choisi ? Non. L'album Motora parle qu'un parc est sorti en quelle année ? Dites à quel âge François a endossé le rôle suivant, Pap. Lequel de ces animaux peut voler ? On dirait que cette question vous a plu, Sandville. L'aéroport suivant, Aéroport Stanley-Fordfield, États-Unis, dessert quelle ville ? Une mauvaise réponse et les points sont déduits à hauteur de ce qui restait au compteur quand vous avez répondu. Et faux sur votre sujet fétiche, encore plus de points déduits. C'était une question facile, de toute évidence. Entre 2005 et 2007, de quelle équipe de la discipline compétition automobile faisait partie de... Avec quelle chanson de la catégorie rock alternatif le groupe Radiohead a-t-il connu un franc succès ? Allez Sandville, ce n'est pas encore fini. Dites en quelle année Kim Jong il a endossé le rôle suivant, chef de la République populaire démocratique de Corée. Continuez comme ça Sandville, la première place se rapproche. Lequel de ces animaux ne pond pas d'œufs pour se reproduire ? Où se trouve le stade Juventus Stadium dans le pays suivant, Italie. Quel star est le père de la personne suivante, Ayako Fujitani. Qui a épousé Chris Pratt en 2009. Essayez d'éviter les erreurs sur votre sujet fétiche and score. Comme vous le voyez, cela vous coûte beaucoup de points. Quel âge avait Robert Mugabe lorsqu'il est devenu Premier ministre du Zimbabwe ? Reposez-vous des circuits, c'est l'heure des scores finaux. Au bug, j'ai facilement été piraté. Bien joué, être humain. Vous êtes un adversaire remarquable. Une victoire au dernier moment. Sincèrement, bravo. Et maintenant, repos. Mais pas trop non plus. Dites-moi si vous voulez relancer une partie. La partie touche à sa fin. Je suis dans l'obligation de vous informer que vous pouvez répéter ce processus quand bon vous semble. Fermeture du programme. Au revoir.